Merci de nous rejoindre ici à la conférence Good Stock. Être bon est un état d'esprit, comme nous l'avons dit. Pour notre troisième plénière, nous allons examiner de plus près le secteur public et ce qu'il peut faire. Y a-t-il de la place pour l'activisme en son sein? Les bureaux locaux peuvent-ils prendre des mesures, diriger leur communauté, faciliter l'impact? Pour en savoir plus, nous recevrons Diala Jiménez Díguez, ancienne ministre du Commerce extérieur du Costa Rica. Jocato Urban Meguelo, commissaire de district de Kisarawe dans la région de Pwani en Tanzanie. Et ici en studio, Omer Unger, dirigeant les services sociaux de la mairie d'Ashdod en Israël. Bonjour. Où que vous soyez, c'est notre panel le plus international avec des invités de trois continents qui veut dire qu'on avait trois types de défis, trois histoires différentes. Avant de commencer, nous allons vous écouter chacun dans votre histoire et vos défis. Omer, c'est un honneur d'être ici. Merci d'être venu. Je suis heureux de représenter ici ma ville d'Ashdod, qui est la cinquième ville en taille en Israël, connue pour son intégration d'immigrants et pour être multiculturelle de 99 pays différents. Waouh, ça veut dire qu'on y mange bien. Oh oui, ça veut dire aussi beaucoup d'autres choses. C'est une ville spéciale. Cela veut dire... Je m'excuse, cela signifie que notre expérience n'est pas seulement de parler et de parler d'agir bien, il s'agit d'agir simplement. C'est un appel à l'action. Être bon, c'est un état d'esprit, n'est pas un simple slogan, c'est un appel à agir. Et nous croyons que cela commence par l'éducation. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes un éducateur, Ashdod, oui. Nous n'apprenons pas aux enfants à faire le bien, nous les éduquons dès leur plus jeune âge. Nous leur donnons l'exemple personnel pour être un modèle de sensibilité aux plus âgés, aux personnes handicapées, à l'environnement. Tout cela s'exprime dans nos actes et pas seulement sur papier. Jocate, j'espère que je dis bien, prononce bien votre nom. J'espère que je n'ai pas... Ah, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous écouter. Eh bien, moi, j'ai été nommé comme commissaire de district il y a 2 ans, le 28 juillet. Et à partir de là, j'ai travaillé comme fonctionnaire pour les services publics et j'ai eu la chance d'être dans un district, une région qui a des défis dans les domaines de l'éducation, l'économie et ses capacités, mais cela laisse beaucoup d'espace pour le gouvernement pour entreprendre de diverses façons. Et être jeune, ça veut dire que je suis venue avec une approche jeunes, pour intervenir sur tous ces défis, en ayant un sentiment et augmentant le sens de responsabilité mutuelle dans les communautés. Les communautés peuvent sentir facilement que le gouvernement n'a pas de connexion avec eux. Donc pour moi, le sujet d'aujourd'hui, de faire le bien, c'est vraiment parler au cœur des gens. C'était ça, mon ordre du jour, parler et réagir aux défis qui nous attendent en sachant qu'au niveau local, nous avons l'autorité et l'autonomie de le faire et nous devons être plus proactifs dans la manière dont nous approchons ces défis. Cela nous permet donc de réagir et depuis 2 ans, que je suis en fonction, nous avons pu mobiliser des ressources extraordinaires au niveau communautaire et nous avons construit par exemple notre première école pour filles
seulement, c'est une, vraiment un signe important pour moi parce que l'éducation est un combat que nous menons et nous devons mobiliser la communauté pour qu'ils comprennent que l'éducation des filles est essentielle. Et pareil, avec le gouvernement, nous pouvons améliorer les infrastructures dans notre secteur d'éducation. C'est vraiment important. Et donc, on a vu comment les familles ont réagi, comment au niveau local, les choses ont été positives et les gens sont réceptifs. Et pour le gouvernement, au niveau local, l'objectif, c'est de ne pas se couper de la communauté. Et même notre président a défendu justement le travail sur le terrain, impliquer les gens, dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qui est nécessaire pour qu'ils soient impliqués dans l'action. Merci. Et Diana, vous avez travaillé très dur pour que le Costa Rica rentre à l'OCDE. Vous pouvez nous parler de ce parcours, ça n'a pas été facile. Shalom, bonjour à tous, merci de m'avoir convié. Je suis heureuse d'être avec vous, c'est un plaisir. Oui, je vais me présenter. Je suis avocate au Costa Rica qui consacre la majorité de son temps à l'arbitrage juridique international. Mais je m'intéresse à la politique publique et parfois, je m'arrête dans ma carrière d'arbitrage international que j'ai développée à Washington, D.C., à Harris et à Santiago, au Chili. Et je reviens au Costa Rica et je travaille dans le secteur public. Et ça a été deux fois que ça a été le cas. J'ai travaillé au ministère du Commerce extérieur pendant les deux premières années de ce gouvernement, et l'une de mes responsabilités était de coordonner les efforts du pays pour rentrer à l'OCDE. Pourquoi c'était si important de rentrer à l'OCDE? Eh bien, je pense que si nous voulons faire le bien, et si nous voulons le faire bien, par de bonnes politiques publiques, par des politiques publiques intelligentes, avec une approche du gouvernement en général, l'OCDE est une partie importante de cela. Cela a été, en fait, un groupe de réflexion gouvernementale sur ce sujet. Et c'est de ça que j'aimerais parler plus tard. Dans ce panel, je pense que ce sont les aspects clés pour faire le bien, mais bien le faire. Je voudrais vous poser la question suivante à tous. Comment est-ce que vous faites les choses dans chaque communauté? Il y a des gens, de manière spécifique, sont passés dans une autre cité ou ville ou une autre région pour s'impliquer dans la communauté davantage ou pour s'éloigner de la communauté. Comment est-ce qu'on veut interagir avec les gens, Omer? Je pense que c'est notre mission à tous. La mission municipale, la mission scolaire, la mission de la société civile. Je pense que nous offrons les possibilités d'être volontaire comme enfant, comme adulte, comme personne âgée dans la ville. Chaque personne doit trouver sa voie, son mode de bénévolat. Ce n'est pas une seule option possible, c'est toute une variété d'options qui se présente pour chacun. Merci, Jokate. Comment vous assurez-vous qu'il y a confiance entre le gouvernement et les citoyens? C'est un sujet très important. Oui, absolument. D'abord, nous devons instiller un sentiment de fierté. Fierté dans le fait que c'est ce que nous avons, c'est ce dont nous devons nous préoccuper et nous préoccuper des uns des autres sans être égoïstes et en faisant le bien. Et de l'autre côté, les officiels du gouvernement, comme moi, ça dépend de nous d'être des exemples, des modèles. Si les choses sont faites et que les citoyens pensent que les officiels du gouvernement ont ces priorités,
et vraiment sont honnêtes dans leurs intentions, cela permet d'avoir plus de réceptivité et les citoyens donneront plus d'énergie pour le bien commun. Donc c'est vraiment un échange et il faut être très clair sur la manière dont nous traitons de l'éducation ou la capacitation des femmes et les gens le voient. Nous faisons ce que nous dites, nous sommes sincères, nous sommes engagés et nous ne les laissons pas de côté. Nous mentionnons chaque action que nous devons mener et ensuite nous la menons. Et quand la confiance est là, eh bien, c'est beaucoup plus facile de créer le bien commun et tout le monde chante à l'unisson et alors on devient effectivement une communauté dont on est fier de faire partie. Que ce soit un défi, une cause, vous voyez que les gens ne sont plus si concentrés sur eux-mêmes et travaillent de concert avec le gouvernement et ça devient une coopération et cela améliore tous les autres secteurs ensuite. Merci, Jo-Kate. Ceci est très important. Et Diala, votre expérience sur ce sujet. Je voudrais me faire écho de ce qu'a dit Jo-Kate. Il faut effectivement avoir la confiance. Mais il y a un défi énorme, que ce soit au niveau local ou national du gouvernement. Il faut relier la majorité des gens au flux central des possibilités et de la durabilité. C'est un défi au-delà de notre propre expérience. Et donc, je voudrais partager avec vous cet aspect clé qui nous permet de faire le bien de manière intelligente. Et brièvement, je voudrais dire, premièrement, utiliser les données. C'est une des bonnes choses de l'OCDE. Vous devez d'abord savoir de quoi vous parlez, quels sont les problèmes, en utilisant les données existantes et pas seulement les perceptions. Là où le bien est nécessaire, exactement. Donc, où est-ce qu'on a besoin de travailler? Quels sont les problèmes? Et quelle est la taille de ces problèmes? Parfois, nous pensons qu'ils sont plus grands qu'ils ne sont, ou inversement. Deuxièmement, et Jo-Kate l'a dit, identifier les parties prenantes et impliquez-les. Assurez-vous que chacun sent que c'est aussi leur projet. Troisièmement, souvent, vous n'avez pas besoin de commencer à zéro. Il y a des initiatives et des programmes qui ont déjà existé. Et si vous avez déjà les données, vous pouvez vous baser sur l'expérience des autres et impliquer d'autres qui ont essayé de faire déjà quelque chose et que vous voulez faire plus avant. Quatrièmement, un plan de communication. C'est très important pour créer la confiance et pour savoir que c'est vous le responsable. Point numéro 5, fixer des objectifs et des dates butoirs pour le court, moyen et long terme. Numéro 6, nommer un coordinateur ou des coordinateurs qui répondront de l'action. Et Jo-Kate l'a dit au sixième, enfin, vous devez avoir un suivi de vos actions. Voilà ce que je voulais poser sur table et proposer à ce panel aujourd'hui. Merci. Fort intéressant, en effet. Et comment vous donner la capacitation aux gens de faire le bien et d'être bénévoles? De nombreuses manières. Nous travaillons avec des personnes de toute la ville. Nous avons des ultra-orthodoxes, des immigrants de l'ex-URSS. Nous avons des cours pour les volontaires pour leur enseigner, comme mes collègues l'ont dit, ce qu'il y a à faire. Je sais que pendant la COVID, dans le monde entier, et je sais que c'est le cas à Ashdod parce que j'ai des amis et des membres de ma famille là-bas, mais comme partout dans le monde, au début de cette pandémie, au début de l'année dernière, on a chanté au balcon, on a applaudi, on était tous ensemble, on était quelque part, on voulait faire partie d'une communauté en restant chez nous, en confinement. On déposait des gâteaux aux portes de nos familiers s'ils devaient être en quarantaine. Et en même temps, à un moment donné, cela a changé. Comment est-ce que vous faites que les gens continuent à avoir ce sentiment de communauté de destin? Maintenant, en Israël, heureusement, nous commençons à revenir peu à peu à la vraie vie.
Dans la Gemara juive, il y a une phrase qui dit « Tout Israël est responsable les uns des autres ». Nous sommes tous responsables les uns des autres. Et la signification de cette phrase de la loi juive, « Nous sommes tous les fils et les filles de Dieu », ça n'est pas « Je suis responsable de moi-même », de ma famille, de la société, mais nous sommes tous garants les uns des autres, en fait. Nous sommes garants les uns des autres. Être garant pour la personne qui est à côté de vous, pour votre voisin, lui offrir un gâteau, comme vous dites. Nous avons des groupes communautaires à Ashdod qui vont rendre des visites aux personnes âgées parce qu'ils sont seuls et isolés, qu'ils ne peuvent pas voir leur famille. J'ai plein d'exemples à vous donner, mais faire les choses simplement. Parfois, il faut faire les choses simplement. Il ne faut pas être... il faut faire les choses simplement. Il faut trouver ce que la personne âgée ou handicapée a besoin et simplement remplir ce besoin. Voilà, c'est tout. Diala, est-ce que c'est la mission du gouvernement de s'assurer que les gens fassent le bien et promeuvent le bien, ou bien il s'agit de s'occuper des autres ou des sujets plus techniques? Écoutez, je pense que la fibre morale d'une société doit être tant au niveau du secteur privé que civil, privé que public, par les ONG et le service public. Les gens doivent être empathiques, doivent prouver dans l'éducation aussi, par la culture, par les politiques publiques et même par la fiscalité. Notre gouvernement doit montrer l'exemple avec des politiques publiques, mais aussi par leur exemple personnel, de manière à ce que les autres suivent ces exemples et qu'on gagne ainsi en crédibilité. Si le gouvernement est déconnecté, détaché des besoins des gens et ne s'occupe que des aspects techniques, eh bien, cela finit par créer un écart entre le gouvernement et les gens. Et je pense que cela ne fait pas partie de ce que doit être la démocratie, du contrat social. Il faut qu'il y ait une fibre morale aussi. Il faut qu'il y ait un aspect éthique en ce sens. Et cela ne veut pas dire qu'il faut être moralisateur ou donneur de leçons. C'est une question plus organique, si vous voulez. Si de bonnes personnes arrivent au gouvernement, on aurait de meilleurs gouvernements. Ah, ça, c'est un point très important, je dois dire, malheureusement. Ça n'est pas toujours le cas, mais on a besoin de bons de bonnes personnes dans les gouvernements partout. Jocade, quelles initiatives pourrions-nous prendre pour renforcer les capacités des jeunes femmes et des personnes marginalisées? Je n'ai pas bien entendu. Vous pourriez répéter? Oui. De quelle manière, avec quelle initiative, nous pourrions avoir pour réunir les personnes qui sont plus marginalisées et leur donner des capacités? Eh bien, par exemple, ce que nous faisons au niveau local, par OnSource, ce sont des fonds collectés au niveau du district. Nous avons une politique avec 10% de nos collectes qui doivent revenir aux communautés et à la capacitation de femmes, de jeunes et citoyens handicapés. Nous avons réussi à le faire, mais cela ne s'arrête pas à cela, à ces groupes financièrement, mais aussi avec l'enseignement, la formation financière, l'apprentissage de la durabilité, etc., la meilleure utilisation de ce qu'ils ont. Et donc, c'est géré au niveau du gouvernement local pour capaciter ces personnes et ces groupes. Impliquer les parties prenantes au niveau du district, nous avons eu
de nombreuses activations, comme nous disons, c'est-à-dire c'est comme un creuset, si vous voulez, de diverses parties prenantes, où nous disons, nous, gouvernement, pouvons ne faire que cela, mais nous en appelons à autant de jeunes, de femmes, de personnes handicapées possibles. Et là où nous nous arrêtons, ce sont les autres parties prenantes, ONG, société civile, qui prennent la relève. Mais en bref, voilà ce que nous avons réussi à faire et que nous continuons à faire. Mais en tout cas, nous avons diverses parties prenantes impliquées pour capaciter et donner la force à ces parties de la communauté. Pour conclure notre conversation, je voudrais que chacun d'entre nous présente la meilleure pratique que les villes et gouvernements locaux pourraient prendre pour impliquer les grands publics. Je pense que le conseil serait « soyez prêts ». Soyez prêts longtemps avant la crise, si possible. Il faut négocier. Le gouvernement, la municipalité, les gens de la ville d'Ashdod, ou dans chacune des villes, ou dans chacun des pays, doit avoir une politique d'entraide, d'implication et en amont. Et en temps de crise, comme celle de la pandémie, nous sommes prêts, nous étions prêts à agir. Je sais que vous fêtez chaque année dans votre ville la journée des bonnes actions. Parlez-nous-en, comment vous faites? À Ashdod, nous avons plus de 100 manifestations le jour de la journée des bonnes actions. Dans toute la ville, des milliers de personnes sont impliquées dans cette journée d'action. Sport pour personnes handicapées ou adolescents, lecture de livres ensemble pour les personnes aveugles et autres. Encore une fois, c'est vraiment toute une variété de beaucoup de choses et vous êtes tous invités à Ashdod pour y participer. C'est quoi que vous avez préféré de toutes ces activités? Ah, je n'ai pas d'enfant préféré. C'est pas gentil de demander ça. Il y a une journée spéciale à Ashdod, une manifestation spéciale, oui, cette année à cause de la COVID. Ça a été une manière spécifique de préparation, ce n'est pas une journée comme les autres. On avait déjà fait 10 fois des journées de bonnes actions cette année, ce sera différent. Après un an de solitude pour beaucoup de gens, ça va être une journée très particulière pour tous. Diana, moi, je voudrais terminer en disant que, comme j'ai dit précédemment, la planification est importante, utiliser les données, fixer des objectifs, s'organiser et inclure tout un chacun pour que les gens soient impliqués, inspirés, être responsables et communiquer ce que vous faites. Je pense que si vous connectez comme le gouvernement local ou national, cela donne des résultats, quel que soit votre objectif, et c'est alors que ça devient plus viable, et cela est essentiel. Être bon, ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais aussi un état du cœur. Et donc, il faut travailler, et c'est une façon intelligente de fixer des objectifs et de fixer des politiques publiques pour arriver, par exemple, à des objectifs de développement durable ou tout objectif que vous fixiez au niveau local ou national. Merci. Et Jo-Kate? J'adorerais ajouter qu'en plus de tout ce qui vient d'être dit, il est très important que les gouvernements reconnaissent, célèbrent et encouragent les citoyens qui font le bien. Il faut les encourager à faire de bonnes choses. Un tout petit exemple, il y a une femme qui a un abri, une maison d'accueil pour des femmes, des filles abusées ou qui sont tombées enceintes à l'adolescence pour les aider à préparer des témoignages en cours. Elle a donc une maison d'accueil sécurisée pour que ces jeunes filles soient en sécurité. Et elle accueille aussi des enfants dont les parents sont morts ou des enfants dont les parents les ont négligés. Et donc,
nous avons réussi à lui construire une maison parce qu'elle avait, elle avait des conditions de logement très mauvaises. Et donc, si vous aidez les personnes qui font déjà le bien dans la communauté, ça a des échos partout. Et donc, si cette personne fait une bonne chose, eh bien, si on le publie, on le fait connaître, on le raconte, eh bien, le gouvernement doit vraiment être la caisse de résonance de ses actions pour encourager les autres dans la communauté à faire le bien. Merci beaucoup, c'est magnifique. Je suis très heureuse de voir que nous avons des leaders comme vous. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ils disent que la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible et maintenant nous allons discuter de la manière de garder cette chaîne intacte, même lorsque des défis et obstacles se présentent. J'aimerais accueillir quatre femmes extraordinaires pour discuter de l'importance des réseaux lorsqu'on essaie de créer des changements dans le monde. Comment attendre et mobiliser les gens et comment les organisations peuvent inspirer des actions efficaces. Et nous avons Aisha Korand, PDG de Giving Tuesday, un mouvement qui vise à libérer le pouvoir de la générosité pour transformer leur communauté et le monde. Nicole Cirillo, directrice exécutive de l'Association internationale des volontaires, qui promeut, renforce et célèbre le volontariat sous toutes ses formes dans le monde entier. Jacqueline Innocent, vice-présidente de l'engagement bénévole et institutionnel chez Habitat for Humanity, une organisation de logement à but non lucratif pour donner aux communautés les plus pauvres du monde les moyens de surmonter le manque chronique de logement. Et Nathalie Paquin, PDG de Point de Lumière, organisation internationale pour engager davantage les personnes et des ressources dans la résolution de problèmes sociaux par le biais du service volontaire. Je suis ravie de vous avoir parmi nous, mesdames. Merci à tous. Toutes les quatre. Donc, mesdames, nous sommes ici pour discuter comment le réseautage peut créer le changement. Alors, commençons par chacune d'entre vous qui racontera ses réseaux professionnels. Jacqueline, si vous voulez bien commencer. Merci. Eh bien, c'est une belle question parce que c'est vraiment autour de l'habitat humain. Je suis l'enfant de parents émigrés de l'île de Barbados et donc une famille pauvre qui s'est installée aux États-Unis. Deux choses essentielles, le logement et l'éducation étaient là pour nous. Et donc, ce qu'ils ont pu obtenir pour nous après notre immigration aux États-Unis a permis de stabiliser le bien intergénérationnel pour avoir les opportunités que j'ai eues. Et c'est là que j'ai pu arriver aujourd'hui et travailler pour Habitat International, mais aussi mes frères, sœurs, oncles, tantes et cousins. Et donc, c'est enthousiasmant pour moi de pouvoir voir ce que nous avons réussi à obtenir pour nous et pour l'humanité de ma propre expérience et toutes les histoires que nous avons entendu dans notre travail, créer du logement accessible pour une majorité de personnes peut changer la vie de tellement de personnes de manière tellement énorme et sur le long terme pour les générations à venir. Donc, faire cela dans la dernière année non-Covid, disons, nous avons eu plus +1,4 million volontaires pour construire et améliorer les logements de personnes en partenariat et en plus, avant la COVID, nous avions investi et donnions des soutiens et de l'aide dans l'infrastructure de logement, de l'eau, etc. C'est essentiel pour les personnes parce que les gens ont besoin de s'assurer de leur logement, n'ont pas les possibilités foncières. Et donc, on investit vers l'avenir pour le logement. Et tout cela, c'est un travail incroyable. On a réussi ainsi à aider 9 millions de personnes, ce qui est extraordinaire. Et UN Habitat, donc l'Habitat programme de l'ONU, c'est fantastique. Ouais. C'est formidable de faire partie de ce type de projet. Et puis, nous disons qu'en 2030, 3 milliards de personnes auront besoin de logements. 3 milliards. Et donc, si on calcule, eh bien, même avec cet impact formidable qu'on a, on aura besoin de plus de 3 siècles pour loger toutes les personnes que nous voulons atteindre.
Voilà. Donc, il faut être très concentré pour créer des partenariats et pour s'assurer que chaque contact, contrat avec des partenaires, entreprises ou individus, il faut nous assurer que nous les armons de l'information nécessaire pour pouvoir travailler autour du sujet dans quelque domaine que ce soit et pour pouvoir faire partie de ce réseau énorme qui peut nous aider à créer le système, l'écosystème nécessaire pour combattre toutes les failles économiques qui continuent à faire vivre ce problème. Donc, je vais laisser les autres parler quand même. Parce que, oui, non, c'est vraiment passionnant. Merci, Jacqueline. Asha, dites-nous, parlez-nous du mardi des dons, Giving Tuesday. D'abord, je voudrais dire à Jacqueline que quand j'avais 13 ans, j'ai déménagé dans les premiers logements de Habitat for Humanity. C'est là que j'ai été logé. Ça a été mon premier foyer stable de toute ma vie, donc c'était vraiment, c'est vraiment un souvenir invraisemblable. Et quand je l'entends et je la vois, c'était invraisemblable, vraiment. Ah, c'est magnifique de partager ça. Je vous dois tout. Donc, le réseau le plus formidable dont je voudrais parler, Giving Tuesday, mes collègues dans le secteur social et à l'extérieur, et en particulier pour les femmes qui sont mon réseau personnel et professionnel. J'ai été dans un collège pour femmes et j'ai des connexions très fortes avec les femmes de cette école et je crois dans le pouvoir du réseautage et je suis une fanatique et dépendante des réseaux et j'ai besoin de ça et je ne suis pas cynique. Je peux y montrer mes points faibles pour comprendre ce que sont nos besoins. Donc, le réseau Giving Tuesday, c'est un réseau de réseaux de générosité mondiale en Israël aussi. Nous avons 75 pays représentés après une croissance de 9 ans. Les leaders de ces 75 mouvements nationaux sont profondément interconnectés comme réseau. Ils n'ont pas un Giving Tuesday dans leur pays. Ils se soutiennent mutuellement. Ils travaillent de concert dans la transparence et le soutien mutuel. Une des raisons clés de cela, la manière dont nous travaillons, notre principe de base et de notre croissance, c'est que c'est un réseau Giving Tuesday est adopté. Ce n'est pas un modèle de franchise. C'est une idée qui a une vision unifiée d'un monde plus généreux et en même temps, tous ceux qui l'utilisent peuvent prendre le concept et l'exprimer ou le manifester dans leur région, dans leur communauté, dans leur région, comme ils le souhaitent, de telle manière à ce qu'ils le souhaitent, de la manière la plus authentique et appropriée qui soit. Donc, c'est un secteur unique et vraiment avec beaucoup, on peut changer les couleurs, le slogan, le nom, tout ce que vous voulez, tant que c'est pour faire le bien. Et c'est vrai pour tout le monde dans notre réseau. Et c'est vraiment une leçon passionnante pour moi. Et ce n'est pas la manière dont le secteur social généralement travaille, de dire prenez, étudiez, changez, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment une communauté de pairs qui travaillent ensemble et c'est un réseau formidable qui efface les frontières dans le soutien mutuel des personnes, des individus, des régions et on se concentre sur le travail. Donc, je crois vraiment qu'il y a toute une fluidité entre ces divers aspects et moi, je trouve que c'est formidable. Et les summums de générosité que nous avons vus dans ce réseau et dans les écosystèmes qu'il génère pendant la pandémie, ça a été simplement extraordinaire. Merci. Je dois dire que je regarde cette image de quatre femmes fortes juste après la journée internationale de la femme. Cela me réjouit tant d'entendre ce que vous dites. C'est formidable et remarquable. Nicole.
Avec plaisir. Merci de m'accueillir. Et bien sûr, merci à Asha, Nathalie et Jacqueline. Je voulais mentionner la Journée internationale de la femme. Il faut savoir que lors de notre premier appel, il y a quelques semaines, et nous nous sommes présentés, mais nous nous connaissions déjà. C'est ça la force des réseaux. Et cela explique que le secteur du bénévolat est essentiel. C'est vraiment, personne ne peut travailler seul. Donc, on doit joindre nos efforts et travailler ensemble. Très brièvement, mes réseaux, j'ai passé ma vie dans l'espace social, du côté environnemental, changement climatique, j'ai travaillé dans le domaine de l'eau, de gestion des déchets, de durabilité, mais aussi les droits humains dans le secteur public, privé et ONG. Et je crois que chacun de ces réseaux m'a donné la compréhension que tout est interconnecté et que les synergies entre tous ces domaines, et quand on parle de changement climatique, on parle de droits humains. Quand on nous parlons d'eau, quand on parle d'enseignement pour les femmes, on parle de changement climatique ou d'eau. Bref, nous parlons en fait de beaucoup de choses qui sont non isolée, mais en même temps convergente. Et cette perspective a été renforcée chez moi grâce au réseau que j'ai le privilège de servir. Donc, je suis heureuse de parler de réseau et que nous lançons des réseaux dans mon organisation. On parle justement de réseau et je voudrais vous parler de deux réseaux en particulier. Nous pensons que le bénévolat est le meilleur quand il y a cette structure de soutien avec des gens qui travaillent comme bénévoles, que nous avons plus de personnes qui le font et qui le font de façon plus efficace lorsqu'ils sont aidés par les structures. C'est un de nos piliers essentiels de travail, créer non seulement l'espace pour se rencontrer enfin peut-être un jour en vrai, dans la vraie vie, mais aussi virtuellement. Ces endroits spéciaux où les gens peuvent apprendre, partager et grandir. Nous avons un réseau d'entreprises volontaires qui s'appelle MyKeno, Global Corporations for Volunteering. Donc, c'est en fait un exercice où ces entreprises s'améliorent, où ils remplissent leurs idées des valeurs avec ces bénévoles. L'autre réseau, le réseau global de leaders bénévoles des organisations dans des pays impliqués dans le soutien et la construction des capacités des myriades de volontaires et organismes dans la région, pour pouvoir augmenter les capacités des organismes locaux, les abris locaux, les Restos du cœur locaux, les endroits de ce type pour aider les gens. Et nous utilisons ces réseaux pour changer le narratif du bénévolat. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, avec la pandémie, et quand nous regardons la seconde phase de la pandémie en termes de vaccins, cette notion que le bénévolat va de soi. Bon, c'est formidable, parce que ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui ont vu leur vue changer grâce à cela. Mais cela veut dire aussi que parfois, il y a une délégitimation qui se fait du volontariat. Nous devons utiliser donc nos réseaux pour créer et soutenir ce réseau mondial, ce narratif mondial de bénévolat, volontariat. Et comme l'on dit chez nous, les volontaires sont le cœur de la fourniture et d'aide. Et donc, il faut le faire, et cela, c'est inséparable de l'atteinte de ces objectifs, et nous y arriverons, je pense. Nathalie, parlez-nous de ces points de lumière, Points of Light, votre association. Merci. C'est un privilège de partager ce panel avec mes collègues. Personnellement, je dirais que
Je suis nouvelle dans ce secteur et ce sujet. Je viens d'une famille de personnes qui travaillaient dans la communauté sans nous appeler bénévoles ou volontaires, mais simplement combattant pour les droits humains et travaillant par l'église, la paroisse et pour aider les autres de nos communautés. Donc je suis arrivée ici avec une éducation à aider les autres. Points of Light, notre mission et de mobiliser les gens pour faire le nécessaire pour changer le monde. Ça veut dire que nous croyons dans le pouvoir des gens, des individus. Notre objectif, c'est soutenir ces individus pour les aider à lever les obstacles pour que les gens puissent faire le bien. Notre réseau consiste de 177 ONG. Nous avons aussi en Israël, avec une succursale en Israël des journées des bonnes actions, et nous avons des représentants dans le monde entier. Nous avons des partenaires et des ONG, des partenaires d'entreprises. Nous avons 5 millions de bénévoles par an qui contribuent plus de 16 millions d'heures de service à la communauté. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Nathalie. Je voudrais revenir sur la manière dont les réseaux ont créé des changements globaux et de quelle manière. Notre réseau, comme je l'ai dit, est là pour servir ses objectifs, inspirer la générosité dans les pays, les communautés, pour diverses raisons, pour augmenter les donations ou le travail que font les ONG. Parfois, c'est pour attirer des jeunes et engager les gens depuis le jeune âge. Parfois, c'est pour avoir l'aide civile, et parfois c'est justement pour renforcer l'empathie et les connexions civiles. Donc c'est vraiment les différents angles d'approche du travail de notre association. Mais c'est aussi un laboratoire global d'innovation. Non seulement ils font ce qu'ils font, mais quand ils font quelque chose de bien, eh bien ils veulent que les autres puissent l'imiter pour réussir et aller plus avant, et donc réinstiller dans l'écosystème du réseau les expériences positives pour les faire croître et embellir. C'est donc le potentiel d'adoption rapide des meilleures pratiques de manière bien plus rapide que cela n'a jamais été possible dans le passé. Et vous voyez aussi tout à coup les vieilles hypothèses, les vieilles théories ne sont plus pertinentes, et les nouveaux apprentissages sont pertinentes et qui peuvent être adoptés par davantage de personnes. En mai, nous avons décidé de faire une édition COVID de notre association de Giving Tuesday. On ne l'avait jamais fait autour d'un événement spécifique, mais là, vraiment, on avait l'impression que c'était un événement universel, spécifique comme expérience. Et donc, Giving Tuesday, il s'agit de partager l'humanité de manière la plus fondamentale. Et la COVID, c'est un peu, nous a aussi montré combien nous avions de choses en commun, n'est-ce pas, nous, pauvres humains. Et donc, nous avons pu mettre en place une journée globale de Giving Tuesday le 5 mai avec des millions de participants. Ça a été possible. Et normalement, ça aurait dû être une campagne de millions de dollars pour ce faire. Mais là, avec très peu de ressources, on a mobilisé un réseau existant parce que ce réseau existant était déjà en place. Et motivé. Merci. Je crois qu'on a des petites difficultés techniques. On va tout de suite revenir à vous. Et vous, Nathalie, quelle est la plus grande leçon pour vous et votre organisation après un an de la pandémie? Je pense que la leçon la plus importante,
c'est que l'esprit humain ne peut être réprimé. On a eu hier une conversation justement sur la générosité et le fait qu'on la trouve partout et que les gens veulent faire le bien dans le monde entier. Et l'autre leçon importante, professionnellement et personnellement, c'est que l'amour devient vraiment l'expression de l'action. Donner l'espace à tout un chacun pour réagir et répondre aux questions. Voilà, je m'arrêterai là. Jacqueline, quelle est la plus belle leçon pour vous et votre organisation en cette année folle que nous venons de vivre? Il y a eu beaucoup de leçons à tirer, je pense, et ce qu'a vient de dire Nathalie, nous sommes une énorme organisation. Travaillons dans tellement de pays avec plus de 300 000 organisations sous le Habitat for Humanity International. Et donc, nous voulons résoudre ce problème. Mais il s'avère, comme on l'a vu avec la COVID et le changement terrible dans nos méthodes de travail, beaucoup des solutions, de l'innovation existent déjà dans des petits partenariats locaux, dans des villes, dans des communautés, au service duquel nous nous sommes mis. Et donc, ça nous rappelle de nous concentrer sur nos racines et nos débuts sur la base de communautés locales et ne pas venir dans l'espace avec l'hypothèse que nous avons toutes les réponses, mais nous adresser aux communautés avec l'hypothèse que c'est eux qui ont les réponses et que peut-être tout ce que nous devons faire, c'est les aider et leur proposer les ressources pour qu'ils ne fassent pas simplement de la vitrine, mais beaucoup d'innovations que nos membres nous ont proposées étaient simplement pas adapté, il faut écouter les choses sur le terrain. Merci. Le temps nous manque, mais je pourrais encore avoir toute une conférence juste avec vous quatre. C'est passionnant. Je voudrais entendre de dernières remarques de la part de chacune d'entre vous, des messages à notre auditoire. Nicole, on ne vous entend pas. Voilà. Je savais qu'une de nous le ferait. Un message, eh bien, je pense, votre vision en fait. Écoutez, c'est en rapport avec la dernière question. Je pense que c'est le moment. Il faut travailler et on se dit, ce n'est pas le travail que je pensais faire, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour répondre à l'instant? Et même si vous ne l'avez jamais fait, comment se montrer à la hauteur de la situation et se dire, c'est pas ce que j'avais prévu ou demandé, mais probablement c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et il s'agit pas de faire de l'esbrouf maintenant, mais de travailler dans le monde réel. Et donc voilà la question essentielle. Merci. Asha. J'espère que maintenant on m'entend. Je dirais simplement que j'espère que le plus grand nombre d'entre nous pourront imaginer comment revenir dans un monde pour construire basé sur l'idée que nous sommes tous interdépendants et que nous devons prendre des décisions sur la base de un sentiment de solidarité et d'interconnectivité entre tous les humains. Merci. Jacqueline, merci. Je crois que le message clé serait que soyez clair dans votre définition de ce qui est le bien et que vous n'êtes pas celui qui définit ce qui est bon, mais le récipiendaire, le partenaire, est lui qui définit ce dont il a besoin et qui est bon pour lui. Donc, c'est ça qui me semble important. Les gens essaient constamment de réfléchir où investir cette énergie pour aider les autres. Mais il est important d'écouter aussi les autres pour mettre notre énergie là où elle est nécessaire.
très important. Merci beaucoup. Et Nathalie, nous allons terminer avec vous. Oui, merci. Je pense que une personne, un acte et une puissance. Toutes les personnes ont des pouvoirs multiples. Vous êtes capable de donner, de faire, d'impacter le monde. Et ce sont ces points de lumière qui créent des cercles. Et donc, une action peut avoir beaucoup de conséquences. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de vos paroles pleines d'inspiration et votre travail magnifique. Merci. Eh bien, nous approchons de la fin de cette conférence et je sais que certains d'entre vous se sont dépassés par tout ce que nous avons dit aujourd'hui, avec tant de gens formidables qui font du bien pour les autres. Mais faisons une pause et essayons de nous amuser un peu, d'accord? Profitons du temps que nous passons ici ensemble en partageant une expérience transformatrice qui élèvera nos esprits, améliorera notre attitude et renforcera notre volonté. Nous libérerons et réglerons nos pensées et émotions pour nous donner les moyens d'atteindre une conscience supérieure et nous rappeler combien il est bon d'être heureux et d'avoir la paix intérieure. Et pour cet objectif, je voudrais me tourner vers deux femmes brillantes. De Damanhur, une fédération de communautés spirituelles basée en Italie, Gaza Solidago, et représentant les Brahma Kumaris auprès des Nations Unies, Gayatri Narain. Mesdames, bonjour. Je suis tellement heureuse de vous avoir ici. Vous savez, cette conférence m'amène en des lieux où je n'ai jamais été auparavant et je rencontre des gens qui sont tellement passionnants. Vous venez de choses tellement passionnantes. Vous êtes d'origine incroyable. Présentez-vous et vos communautés d'abord. Gaza. Merci pour cette occasion et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de partager avec vous l'expérience de Damanhur, une fédération de communautés spirituelles. Gaza. We have some difficulties to hear you. Let's try again. On va réessayer, il y a des problèmes techniques. Can you please repeat the last sentence? We couldn't hear you very well. Répétez votre dernière phrase, s'il vous plaît. Yes, let's try to hear you now. Shall I repeat the statement? Please. Okay. Damanhur est une fédération de communautés spirituelles dans le nord de l'Italie. Aujourd'hui, c'est une réalité de 46 ans, depuis la fin des années 70. Nous sommes devenus une association. Nous avons construit un temple en sous-sol. Voilà, vous avez les photographies qui sont magnifiques. Nous avons creusé la roche et le rêve était et reste de créer un espace dédié à l'espèce humaine pour célébrer la vue et la lumière et la beauté de chacun d'entre nous. Au début, Damanhur était connu par notre communication et notre recherche sur la santé, le bien-être, la spiritualité, le temple dont vous voyez les photographies que nous avons creusé littéralement nous-mêmes toutes ces années. S'étend dans la forêt vers l'extérieur et les arbres sont comme les cheveux du temple interne avec l'énergie interne. Et cela s'étend dans des labyrinthes colorés, des couloirs sur des kilomètres. Et ce sont des arbres sacrés, des forêts sacrées, où nous connectons l'écosystème autour de nous, avec les plantes, les prix de la nature et toutes ces belles réalités qui font partie de nous. Gaza, cet endroit est tellement beau, c'est simplement renversant. Merci. Ah, j'attends de pouvoir venir après la COVID, j'espère, en personne. Oh oui, nous l'espérons aussi. Et vous maintenant ?
Gayatri. Merci. Je commencerai avec qui je suis. Je suis présente dans la salle avec vous. Je suis Gayatri Narayan et je suis enseignant de l'enseignement de Brahma Kumaris. Nous étudions quelque chose qui s'appelle Raj Yoga. Et comme étudiante de Raj Yoga, je suis sur un parcours de vie d'apprentissage qui m'amène aux principes spirituels de la vie, comment intégrer les principes spirituels de la vie dans mon mode de vie, dans mon mode de travail et de service et dans mes relations. Ce qui est fascinant dans le parcours de ma vie dans le domaine de Raja Yoga, c'est que cela m'appelle à regarder les trajectoires de vie de la conscience à l'action. Et dans cette trajectoire d'être attentive aux attitudes et à la vision, les Brahma Kumaris est une des organisations dont les quartiers généraux sont en Inde et qui est de manière prédominante sous leadership féminin. Donc, ce leadership féminin est relativement nouveau et novateur au 19e siècle, quand il n'y avait pas encore de mouvement de libération de la femme. Et donc, cette idée de femme à la tête du leadership spirituel s'est mise en place. Je suis entrée au Brahma Kumaris en 1975 et en 1978, je me suis installée à New York et j'ai ainsi facilité l'accréditation des Brahma Kumaris aux Nations Unies. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que l'ONU a dit oui à une organisation qui était purement spirituelle et administrée par des femmes. Parce que la raison pour laquelle nous ont intégrés, c'est parce qu'ils cherchaient des organisations pays en développement ou du tiers-monde et qu'ils voulaient que les femmes jouent un rôle clé. Donc, je vois une des belles choses d'être une personne qui s'intéresse à la spiritualité, c'est la spiritualité qui se trouve dans une organisation politique mondiale comme l'ONU. C'était un vrai défi, mais cela a fait aussi qu'on est au service d'une cause noble et ça m'a permis d'identifier chez moi cette cause noble qui est connectée à une phrase simple dans le préambule de la charte de l'ONU, de défendre la dignité, de travailler pour la dignité de la personne humaine. C'est exactement cela que nous faisons, réaffirmer quelque chose que l'on a déjà dit, mais le réaffirmer pour chaque individu et chaque chose de notre travail dans les objectifs de développement durable, c'est exactement dans cette promesse de développement durable comme objectif, n'est pas uniquement une théorie, mais est en rapport avec la dignité humaine. Et c'est de cela qu'il s'agit, et c'est cela dont nous parlons et que nous révélons au monde. Notre plus belle ressource, c'est l'esprit humain. Et enfin, le travail que je fais, je suis impliquée dans quelque chose que l'on appelle les dialogues d'appel du temps. Et c'est une des plus belles choses que j'ai jamais fait moi-même et avec les personnes. Explorer ce que nous appelons les expérimentations du silence. L'expérience du silence, c'est rencontrer les domaines de transformation des êtres humains et du monde. Si nous ne revenons pas contemplatifs, si nous ne renouvons pas aux pratiques qui nous amènent à ce silence intérieur, nous ne découvrirons jamais la méthode de transformation. Afin de découvrir cette méthode de véritable transformation viable et durable, eh bien, ce sera découvert dans ces contemplations du silence dans chaque être humain. Et nous faisons beaucoup de travail dans ce domaine avec des personnes de diverses professions à travers le monde. Et
Nous sommes une organisation internationale dans 130 pays. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Gayatri. Et Gaza, je voudrais vous demander, cette dernière année a été atroce pour tellement de gens. J'écoute votre voix, je l'entends, elle est si calme. Vous semblez être tellement bien centré. Comment est-ce que vous vous concentrez sur le bien? Je pense que c'est plus facile quand vous avez tellement de belles choses autour de vous, mais il y a de la beauté partout, je suis. Oui, la beauté est partout, en effet. Et d'abord, une attitude positive, l'optimisme, c'est le premier article de notre constitution. Dans notre communauté, nous avons une constitution qui exprime les principes et les idéaux de notre vie communautaire. Nous sommes 600 personnes aujourd'hui qui vivent dans la zone de, où nous avons fondé la communauté est 1000 à travers le monde. Et la pensée positive est la base, on peut le dire, c'est l'approche, parce que nous créons ainsi, et c'est certainement un point très important, un point de départ important. Et comme Gayatri l'a dit, la chose importante, c'est une qualité difficile qu'on trouve aujourd'hui, difficile à trouver aujourd'hui en particulier, avec la pandémie. Mais je crois qu'on peut trouver la clé dans la manière dont on vit l'instant, dans notre expérience. Et c'est ça que je voudrais partager avec l'expérience de la vie de tous les jours depuis ces dernières années que nous avons. Vivre l'instant a un secret. Eh bien, c'est de laisser le passé. Le passé nous a donné beaucoup de choses et est généreux, mais n'a pas été toujours heureux pour l'humanité. Le bonheur auquel nous aspirons tous est là, à l'intérieur de nous, et c'est dans l'avenir que nous pouvons le créer ensemble. Si nous sommes capables d'avancer du présent vers l'avenir qui nous attend. Honorer le passé, c'est important pour la fin des temps. C'est l'union de tous les temps, de toutes les expériences passées. Maintenant, il est temps de créer l'avenir ensemble. La formule que nous avons expérimentée, c'est la vie communautaire où nous pouvons créer un espace, un champ où nous pouvons rencontrer les autres. Et si nous sommes capables de rencontrer les autres et s'ouvrir à l'avenir avec cette confiance en l'avenir, voilà l'espace où ces semences peuvent pousser. Et nous pouvons utiliser cela aussi dans notre langage. Au lieu de dire « je dois faire quelque chose », il faut dire « je voudrais, j'espère, je rêve de ». Dans le langage, déjà, on peut poser les semences de cet avenir que je peux créer, que je peux générer. Quand vous vivez avec les autres, c'est déjà un cadeau parce que vous pouvez vous voir refléter de tellement de manières. Les autres sont de parfaits miroirs de vous-même. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous avons des yeux qui regardent vers l'extérieur, mais pas qui regardent vers l'intérieur. Et pourtant, il y a un autre trésor que nous pouvons trouver dans les champs que nous pouvons créer avec les autres. C'est l'espace, cet espace d'écoute, cet espace de confiance, cet espace de positivité qu'ensemble nous pouvons créer. 5 personnes suffisent pour créer un groupe, une collectivité qui est la base de ce nouvel âge, cet âge de cette ère de la dualité, de l'individualité est dépassé, nous le savons. Et donc maintenant, nous sommes entrés dans l'ère des groupes, des collectifs, des groupes où ensemble nous pouvons créer de nouvelles choses. C'est l'intuition que nous avons de cela. Nous voyons que les graines sont déjà plantées et sont en train de pousser. Et si nous sommes capables de créer ce vivre ensemble, ce nous, nous pouvons créer des champs
où ces semences pourront fleurir et ces rêves pourront être nourris et grandir. Les rêves de chacun sont importants. Chaque personne est importante. Chaque personne est unique. Et en cela, cette ère qui se termine, c'est cette ère d'individualité. Chacun d'entre nous est précieux. Aucun de nous ne ressemble à l'autre. Chacun est précieux parce que nous sommes uniques. Mais cette unicité, si on la met ensemble avec les autres dans un champ commun, peut créer un espace où l'avenir peut être l'avenir auquel nous aspirons. Et si nous vivons dans le passé, si nous vivons dans les devoirs que nous avons, eh bien, cela amène l'anxiété, en tout cas pour moi, cela amène le stress de vouloir être excellent. Alors que si je me projette dans l'avenir avec confiance, en étant ouvert, eh bien, il y a toutes ces nouveautés à découvrir avec les autres, qui peut écouter, qui peut offrir son écoute. On a besoin d'avoir le feedback des autres aussi. Et donc, je peux ainsi nourrir ce champ que nous créons de concert et nous transformer, nous ouvrir à notre vraie nature. Dans le passé, il y a ce que nous savons déjà, ce que nous avons déjà expérimenté. Et si nous sommes dans l'espace du devoir du passé, nous ne nous ouvrons pas sur tout le nouveau qui nous attend, tel que exprimé. Gaza, vous savez, vos paroles sont réparatrices. Je sens que j'ai cette expérience transformatrice qui est en train de m'arriver en vous écoutant, bien que je suis encore bloqué par le langage. Je voudrais me dire, j'aimerais bien dire, je voudrais faire la lessive. Non, je sais que j'ai à faire la lessive et j'ai du mal à passer au-dessus de ce langage. Gayatri, comment arriver à un plus haut niveau de conscience pour aller au-delà de l'esprit? Belle question. Parce que tant d'entre nous vivent leur esprit au-delà de l'esprit et nous vivons au niveau des pensées. Cette période si difficile, et je voudrais soutenir ce qu'a dit Gaza, nous vivons une période très particulière. On peut le voir au début et à la fin, on peut dire que c'était les meilleurs temps ou les temps les pires, mais c'est une période très particulière que nous vivons. Et vivre ici à New York City et essayer d'aider les personnes à surmonter ce qu'ils sont en train de vivre et essayer de vivre les temps qu'ils vivent au-delà de tous les défis auxquels ils s'affrontent, c'est effectivement un apprentissage énorme pour moi. Les gens s'adressent à moi. Est-ce que c'est possible? Et la réponse à votre question, c'est de répondre à cette question qu'ils me posent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la paix est possible? Eh bien, je sens un très haut niveau de conscience et pas seulement jouer à ce jeu d'aller-retour, de ping-pong, de réflexion, ce qui se passe dans la situation ou les circonstances dans le monde extérieur. Et moi, je crée des pensées et j'ai cette espèce de jeu aller-retour, de ping-pong entre la situation et mes pensées. Je dirais qu'il faut et il est important de réaliser qu'en dessous, la vernis des problèmes qui sont tellement apparents sur toute la planète aujourd'hui, en cette période, de véritablement réaffirmer qu'il y a toute une latence de véritable bonté, de générosité qui est persistante et qui est aussi reconstructrice. Et c'est donc une expérience qui va au-delà des réflexions et de la pensée. C'est une expérience qui, profondément en moi, est une force reconstructrice. Et il nous faut comprendre que notre grandeur, notre bonté ou cet être reconstructif
positif qui est en nous ne se trouve pas tellement dans notre capacité de réparer et de refaire notre monde à l'extérieur de nous, ce que beaucoup essaient de faire, mais d'une perspective spirituelle qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons croire que nous sommes capables de restaurer notre monde extérieur en nous restaurant nous-mêmes, en nous reconstruisant nous-mêmes et en ramenant ce qui est à l'origine de nous, de ce qui est beau dans l'esprit humain, l'amour, la paix, la vérité, la beauté, la joie, tout cela sont des remèdes et sont divins et originaires de l'esprit humain. Nous devons revenir à ces fondamentaux. Et moi, je dirais que pour remettre l'esprit humain à un plus haut niveau de conscience, je voudrais dire que nous devons explorer le silence de nos âmes, justement. Et l'idée, quels sont les idéaux de paix quand nous utilisons le mot « shanti » ou le mot « shalom » ou le mot « paf » quelle est l'idée de cela comme force reconstructrice en moi? Eh bien, au-delà du mot, pour cet haut niveau de conscience, c'est la non-violence que Gandhi appelait Ahimsa. Est-ce que par nature, je suis un être violent ou est-ce que par nature, je suis un être non-violent? Je pense que la majorité d'entre nous dirait que nous sommes des êtres non-violents par nature. Et le troisième, je pense, c'est que Gandhi utilisait comme Satyagraha, c'est-à-dire la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous ne sommes plus capables de discerner ce qui est vrai, de ce qui est faux du vrai. Et je pense que revenir à la vérité, et ça, je dois le trouver en moi, parce que la vérité, c'est quelque chose qui est latent en moi. Moi, je suis capable d'expérimenter la vérité à un très haut niveau de conscience, plus que d'essayer de prouver ce qu'est la vérité. Quand la vérité est expérimentée à un plus haut niveau de conscience, il n'y a plus besoin de le prouver, de l'approuver, la vérité. Et donc, si je dois aimer quelqu'un ou quelque chose, je n'ai pas besoin de leur prouver, ils l'expérimenteront de ma part. Et donc, je pense que ce sont les éléments pour arriver à un plus haut niveau de conscience qui nous amène au-delà du mode concret vers une expérience spirituelle pour être reconstruit et pour trouver ce qu'il y a de divin en nous. Merci beaucoup, Gaza. Merci, Gayatri, pour ce petit aperçu de votre spiritualité. Malheureusement, je ne peux pas parler plus longuement, mais j'encourage nos auditeurs à aller sur vos sites web pour prendre contact. Merci infiniment pour tout ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup à toutes les deux. Et maintenant, une dernière chance d'entendre certains des principaux activistes et défenseurs du monde dans la troisième et dernière séance de discussion. Mais n'oubliez pas de revenir pour la session de clôture de cette conférence. Merci à tous.